Donc là, les chevaux, ils ont 34 jours. On les a fait rentrer dans la maison, donc avec tous les chiens sont là. Démon, Traco, Yachello, enfant, petit bout. C'est l'heure aussi de la gamelle des chiots, donc forcément, comme ils ont faim, je les ai fait venir tous jusque-là. Avec maman Glover, bien sûr. Et ben, ils commencent un petit peu à prendre leur repère. Forcément, ben, Glover va bien, elle n'est pas stressée ni inquiète, donc ben, tout se passe bien aussi. Les chiots, ils le ressentent. Ils commencent un petit peu à explorer. Ça mange, ils ne sont pas stressés. Là, c'est la petite femelle collier qui, a priori, commence à s'endormir. Là, on a le mâle collier bleu avec le mâle collier noir. Donc voilà, c'est vrai que bah, le fait qu'ils mangent, ça veut dire aussi qu'ils se sentent bien, qu'ils n'ont pas la boule au ventre, qu'ils ne sont pas tendus ni stressés. Et ça, c'est très bien. Donc là, les chiots, ils ont bah, 4 semaines et demie. Demain, ils auront 5 semaines. C'est vrai qu'ils connaissent pas tout ça. C'est un lieu qui est plutôt fermé, qui est plus grand. Là, c'est la petite femelle collier vert. C'est vrai que là, on n'a pas trop de luminosité, donc on voit pas très bien. Il y a Fragance. Et sa visite. Je joue avec toi. Mignon. Ces petits mâles colliers bleus. Bon, ils connaissent déjà Chiro. Draco, ben, forcément, c'est la première fois lui qui voit les bébés. Draco, il est mis pas souvent en premier pour la simple et bonne raison qu'il est assez brut. Donc avec les chiots, quand ils sont trop petits, bon, on fait quand même vachement attention. Donc on met, comme je l'ai expliqué au départ, on met les chiens adultes les plus cool et calmes. Bon, Draco est un chien cool, mais pas très calme. Ah. Oh, ça va, ça joue. C'est à l'aise. C'est très bien. Et mon loulou. Et mon loulou. Je suis content. Mais je suis content. Moi, je suis content. Oui, oh oui, oh, t'es mignon. Bon, les autres, ils sont à la tétée. Ça va. Ma petite femelle collier vert, là, qui dort. Sa visite. Donc, on a aussi des cages métalliques, dont les chiots vont commencer aussi à prendre un petit peu l'habitude un peu plus tard, puisque c'est important pour aussi le transport, pour leur apprendre des tas de choses, et à être aussi parfois enfermés, parce que des fois, on n'a pas trop le choix. Donc c'est vrai que ça, ils vont être aussi un petit peu habitués, mais un petit peu plus tard, pas tout de suite. Là, on fait les choses progressivement. C'est le mâle collier bleu. Draco. Oui, oui, on va pas te déranger, c'est toi le chef. C'est Fragance, chien tchécoslovaque avec le mâle petit collier bleu. Et moi, loulou. Et mon bébé. Et on a mis la télé aussi, donc forcément, ils entendent des bruits. Voilà.